J'avance, moi. Je vais rejoindre ma voiture. Voilà, comment allez-vous, les gars? Ça se passe? Ouais, ça tout le monde. Vous venez de la base navale? Ouais. Ah bon, c'est peut-être pas la peine qu'on aille traîner notre cul, alors. Oh, vous pouvez y aller, hein, ça a duré pas tant que le temps qu'on y est. D'accord. Le nord, il a duré hip-hop, quoi. Après, nous, on revient du sud, là. Et on est reparti safe sur le Teco. D'accord. On va faire la partie haute. Ouais, on va faire la partie haute. C'est cool. Tout va bien, les gars? Bah, et vous? Impeccable. Ça roule. Les urines sont claires. Tout va bien. Impeccable. Ça se passe. Voilà. Allez, bisous sur les 4 minutes. Ouais, ciao, ciao. Yes. Allez, ciao, bon ciao. Ciao, ciao. Les gars, plus. Salut. Un qui peut venir taper là avec moi? T'as fait quoi? Le deuxième là? Le deuxième, vas-y. Ouais, c'est le deuxième. Ok. Vous entendez la radio, vous? Bah ouais, ouais. Moi je l'entends, ouais. Des fois ça bug tout à l'heure, ça marchait pas. Bah là, moi je l'entends pas. Non. Allez, on se... on bouffe. Ah, putain, meilleur. C'est pas trop tôt. Une petite vodka et une petite absinthe là. Doucement sur l'absinthe, les mecs, je vous le dis. T'as une gorgée, tu commences à faire un coma. Donc. Ah, une gorgée? Ah non, 5. À partir de 5, tu commences à faire des trucs bizarres avec ton corps. Ah, ok. Non, mais ça va, en plus, j'avais du jack, moi, dans les mains. Vous avez les brochettes sur la gauche, là. La viande, là, les gars. Ouais, je comprends l'une. Ça sert à rien de les cuire, hein, parce que. Vas-y, crafting, emmenez-moi bouffe. Je suis à 75 par contre, je vais attendre un peu comme j'ai bouffé de la pastèque. Puis on est pas mal, hein. Tu peux même pas la cuire. Colon volume 96. Eh, il va falloir faire quelque chose là. On chie dans son ben. ...7%, je pense que je peux me bouffer la... ...la truc. Hall. T'es fou. Voilà. Comment va, cousin? Oh là, les Lopez, comment allez-vous? Salut, salut. Ça va, toi, Ed? Ça va, ça va. Il n'y a plus de métal, c'est pas la peine de venir, j'ai tout pris. Oh putain. Déjà? Ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Le patron du bar, il fait pas que de la picole. Hein. Vas-y, moi je vais pisser là, la route est longue, faut que je pisse. Ah ouais. Ah oui, on est arrivé, Bernard. C'est 10 minutes que je te préviens, mais tu devais être. Ouais, je suis un peu de bourré, moi encore. Et le bar n'est pas encore ouvert, hein. Bientôt, j'espère. Ça se fait ça. Salut à toi. Le mec, je le vois pas. C'est quoi les bails? Ça marche. Il est invisible. Je te repasserai à l'occasion, t'inquiète, on s'arrangera. Ouais, on s'arrangera, t'inquiète. Vous passez au bar, les Lopez, après? Vas-y, hein. Yes, on va boire un petit coup, vite fait. Pour se réchauffer, là. Ah, exact. Bah, même toi, si tu veux passer le quincailler. Ça marche. Un petit bout, après, je te viens te voir. Ça marche. Bah, allez, à toutes, les gars. À toutes. Yes. Ouais, à toutes, Ed. Alors lui là c'est le patron du bar et le bar là-bas et bah tu vas voir il est sur la gauche là. Ok ok. Voilà. On va aller voir ça après. Alors les gars, moi qu'est-ce qu'il me faut? Entrez hein, entrez. Ouais, qu'est-ce qui reste à disposition? J'ai entendu qu'il n'y avait plus de métal là, ça commence mal. si il reste du métal, c'est juste qu'il a bien tapé dans les stocks. Ah, il a tapé dans le stock sec. C'était combien les 20 scraps? C'est combien de paquets de cigarettes les 20?
Les scraps, en fait, on fait par 10, 4 paquets, ou par 25, 8 paquets. Ah ouais, bah vas-y, je vais partir. Ma cousin, j'ai du paquet de scrap. Hein. Pour 8, hein. Pour 8, allez, ouais, ça marche. Par contre, pour éviter... Ouais, non, par contre, ce qu'on va faire, pour éviter un peu les bugs, je vais te filer mon sac pour que tu mettes les paquets dedans. Ok. Et en cas, si tu veux, je peux te les mettre directement dans ton sac. Ah, ou dans la voiture, hein, si y a moyen. Ouais, dans la voiture, par contre, j'ai pas de e-king. Si vous avez un e-king vide, pour les mettre, ça sera plus simple. Là, je suis vraiment à poil, là. Normalement, j'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dans le sac. Mon cousin, je vais démarrer la voiture, je vais la mettre devant l'entrée. Ça, par contre, c'est les Lucky. En fait, ça, ils comptent pour plus cher, ça, du coup. Ah, ok. Bah sinon, j'en ai 8 normaux, si tu veux, aussi, les autres, si tu veux. Ouais. Ouais, c'est pour les 8 normaux, parce que là, du coup, ouais, ça fait largement plus, en fait. D'accord, ok, bah tu vois, t'es pas un arnaqueur, au moins, c'est cool. Bah au pire, attends, gardez, on va voir. Smoke, viens déposer les paquets aux collègues, là, et après, on va voir si peut-être on peut lui acheter des toolbox, ou je sais pas s'il en vend. Ouais, on a les toolbox aussi, les 500, avec... ou 25. Bah voilà, peut-être avec mes paquets, pour prendre, je peux prendre combien de toolbox avec mes paquets. Alors attends, je vais regarder ça. Smoke, glisse-lui dans son sac à dos qui est sur la table. Tu te rapproches de la table et tu lui mets les 8 paquets dans le sac à dos. Tu vois le sac sur la table? Ouais. Parce que je te vois regarder dans le feu, toi. Ouais, il a mis ça par terre, là, au cousin. Ouais, il est en train de les faire cramer. Il est en train de les faire cramer, celui-là. Abîme pas le sac de... du quincailler, là, ouais, malheureux, là. Du coup, ça fait... Ça fait beaucoup plus en fait les Lucky. D'accord. C'est pas comme les paquets de clopes normaux, donc du coup ça fait largement beaucoup plus. Il vaut mieux que vous récupérez ça et plutôt en petit paquet alors. Parce que ça fait vraiment beaucoup là du coup. Ouais, les Lucky c'est beaucoup en fait. Ouais, moi j'ai des paquets simples. Non, mais regarde, moi j'ai des paquets simples si vous voulez, cousin. Ok, parce que sinon j'allais dire là il prend déjà les 8 pour les 10 scraps, là. Pour les 25 scraps. Il prend les 8 que Smoke a mis dans son sac à dos. Et après, avec les miens, est-ce que je peux acheter des toolbox? C'est trop aussi, ils sont trop bien les paquets pour la toolbox. En fait, c'est les Lucky Star qu'il a posé, les roses là. Ceux-là, ils valent beaucoup plus que les paquets classiques. Ouais. En fait, il a posé 8 paquets de Lucky. Et du coup, ça fait largement plus. Donc, si vous avez plutôt un paquet de clopes normal, ce sera peut-être plus simple. Ok, ok. Après, sinon, vas-y Joe, mais après je peux pas aller bicrave mes paquets de Lucky, ouais, pour des paquets simples, hein. Y a ouais, personne qui bicrave ça sur l'île. Ouais, si je vois la monnaie d'échange, les deux paquets de Lucky Star c'est égal à 5 paquets de club classique. Oh, on t'entend fort, hein, de ouf. Ouais. C'est ça. Oh, tu nous pètes. Donc après. Ok. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est que... Alors en gros il vous faut combien? Il vous faut deux packs de 25, c'est ça? Non non, ou direct en... C'est comment elle s'appelle la grosse? Enfin c'est quoi que tu dis deux packs de 25? C'est les toolbox. Ouais voilà, les grosses. Ouais, pour les scraps. Les scraps, on a dit les 8 paquets, ceux qui te plaisent là, contre les 25 scraps, c'est ça? Et après il y a encore 8 paquets, le Lucky là. Mais ceux-là, Joe, il va peut-être me les échanger contre des paquets normaux pour que je puisse te prendre la toolbox ou je sais pas quoi. Ouais, ce sera peut-être. Parce que sinon, la correspondance, c'est quoi tu m'avais dit, Joe? Je t'ai dit, c'est 5 paquets de cigarettes normales est égal à un aluminium strip et 2 paquets de Lucky, c'est égal à un aluminium strip. Donc en fait, un Lucky et 2 Lucky est égal à 5 paquets classiques. Ok. Donc déjà on peut faire un peu des paquets Lucky, après un peu des paquets clubs si vous voulez. Alors attends, je vais regarder parce que du coup c'est tout mélangé dans le sac. Tac. Bon déjà je vais mettre les métals. Du coup vous avez un sac où je les mets directement dans la voiture pour les métals. On va faire chose par chose, parce que sinon je vais pas y arriver. Ouais, mais les directement dans la voiture, si tu peux, ça nous arrange, hein. Ça nous évite une petite. Je sors. Alors, ce qu'il y a de plus simple, donc, je vais me mettre devant.
Ah ouais, Joe, va falloir qu'on voit. Là, a... tu me cries dans les oreilles quand... Ça, c'est bizarre. Ouais. Donc, les gens, Metal Scrap, il vous en faut combien exactement? Ça, bah, dans le... si j'ai bien compris, les 25 pour 8 paquets. Donc c'est 25, non? Donc 25. Ouais. Donc 25 déjà. On part pour 25. Ouais. Et toi, du coup, là, elle t'a mis les... Ouais, j'ai transvidé, j'ai mis des paquets classiques et j'ai pris 2 Lucky. Je t'ai mis 10 paquets classiques dans son sac et j'ai repris 2 Lucky. Ah, mais donc, je vais récupérer 6 Lucky dans son sac à dos à moi, alors. Bah après, ça, tu peux les mettre à la banque. Maintenant que je suis là, je peux jouer le banquier. Et tu les mets à la banque. Ça te fera un spring. 6. Les 6, ça te fait un spring. Parce que 2 c'est égal à un alu et 3 alu est égal à un spring. Donc les 6 là ça te fait un spring. Si vous voulez déjà éviter ce coffre dans votre voiture, allez, venez. Parfait, je fais ça. Merci, c'est cool ça. Nickel. Donc déjà ça. On verra après. T'es mal, Smoke, range ton arme, le petit Lenax. Désertigueule, genre, pas confiant. Normalement, il a les paquets et tout. Il y a des vides dedans. Et ensuite, du coup, il vous fallait toolbox. Il vous en faut combien de toolbox? Bah, ça dépend. Du coup, toi, Joe, t'as combien de paquets normaux là? Il faut combien de paquets normaux pour une toolbox? Moi, il me reste 2 paquets normaux et 2 Lucky. Ok. En gros, là, dans le sac de ce que vous m'avez mis, il en reste donc 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. En gros, je peux vous faire donc 3 toolbox 500 avec ce que vous m'avez mis dans le sac. Bah, vas-y, c'est parfait, hein. Ça sera nickel, hein. Avec les Lucky, c'est ça? Non, juste avec les paquets de clopes simples qu'ils m'ont mis dans le sac. S'ils ont enlevé les Lucky, ils m'ont laissé les paquets de clopes. Ok, d'accord. Bah, les Lucky, du coup, je vais voir après, là, à la banque, s'il y a moyen de... contre un spring ou une connerie. Bah ouais. Putain, il doit avoir des cartouches derrière là dans son stock au final, le quincailler. Info sûr. Ah, mais la prochaine fois, je viendrai avec des Eking Backpack. J'avoue, j'y ai pas pensé, moi. Et ouais, j'avoue que c'est un peu plus simple pour mettre dedans, du coup. Parce que, du coup, avant, on mettait tout sur le comptoir, mais du coup, avec ces histoires de bugs, là, du coup, on évite de trop tout poser, parce qu'après, ça, c'est un peu le bordel. Nickel. Ah ouais, okay. Du coup, je vous ai mis une toolbox en plus cadeau. Hein. Ça te fait du... Ah, nickel. Ça serait pris, franchement, c'est cool. Ça, merci. Ouais, c'est appréciable. Du coup, Joe, t'as réussi à tout mettre dans le coffre, ça c'est bien rentré, ça passe. Bah ouais, tout est rentré, ouais, nickel. Impeccable. Bon, nickel, bah, nickel, on va pouvoir aller se rincer un peu le gosier au bar ou quoi, voir. Vas-y, je vais vous payer un coup, les gars. Ah ouais, carrément. Attends, on va laisser. Il reste un paquet de clubs. T'as plus qu'un cahier, venir boire un coup avec nous, non? Range tes coffres et tout. Si je vais aller manger un petit bout, moi. Tu vas aller manger, toi, avant? Je vais aller manger un petit bout d'abord. Ouais, et après, je reviens. On verra si on est toujours dans le secteur. Ouais, si vous êtes toujours à l'apéro, qui sait. Oui, ça peut être bien. Bah écoutez, les gars, merci pour votre passage. Ouais, bah c'est cool. Hein. Ouais, merci à toi. Hein. Toi, hein. On peut passer quand vous voulez. Ça roule. Nos problèmes. Allez, bah à la prochaine. Du coup, nous, on y va. À la prochaine, merci encore. Ouais, je vais me garer un peu plus loin, moi. Vas-y, moi j'y vais à pied. Du coup, c'est juste là, Smoke, le vent, c'est là à droite, je crois. Ouais, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est là. C'est à gauche. Là où les portes s'ouvrent, les grandes, la grande porte.
Tac tac tac. Voilà. Tac tac tac. Salut salut, bienvenue. Salut salut. Le barman. Un pot de couille. Eh ouais. De couille, de couille, de couille. Il y a les enceintes et tout, la petite sono, nickel. Ah ouais. C'est bon ça. Alors il y a qui là? Il y a le Joe, je vois. Le Joe au milieu. Je te présente le Jox Lopez à gauche, à ma gauche. Merde. Ouais. Oh merde. Et celui qui est devant la porte, c'est le Smoke Nox Lopez. D'accord, ça marche. C'est mes cousins. Mes cousins. Salut à toi. Salut, salut. Attention les gars, il y a du Z. On va pas se faire déborder dans le bar quand même. Ils sont fous ces Z. Par contre là, ils vont arriver. Ah ouais. Ferme la porte là direct. Ah, je m'en occupe, Attends, je vais voir ça parce que les stocks sont pas fous. Ah ouais. Ah deux t'en veux. Ok, alors je vais te chercher ça. Ah je suis désolé, j'ai que de la bière en canette comme ça. Non c'est cool, merci. J'ai passé commande mais le livreur c'est une merde. Ah. Ouais bah ça, t'es livreur hein. Ouais, ah les connais hein. Vas-y, vas-y, c'est ma tournée. Ah nickel. C'est comment. Tu peux regainer ton arme s'il te plaît. Bah vos armes, tous les deux. Merci. Dans le bar, c'est bien de ne pas venir armé. Ouais non mais c'est les aides là. On sait jamais, j'avais pas envie de me faire griffer moi. À la boxe, ça tape les Lopez. Ouais, ça tape, on vient d'arriver sur l'île, ça tape pas des masses. Mais si. La base. Bah, mais si t'as une petite bière, hein. Moi je prends une petite bière. Hein. Bière. Mais moi, comme d'hab, un petit sky. Hein. Un petit whisky. Et toi, le smoke, tu veux boire quoi? Un petit Jack de Doudou. Ah, il veut un sky aussi. Il fait le timide. Il est fou, lui. Une bonne sono hein, dans le bar, ça marche bien. Putain, je pisse le sang de mes morts. Ah mon pélo, ah ouais, tu vois, tu t'es fait griffer mon pélo, c'était sûr. À la poutre, les gars. Impeccable. Merci bien. Tout le monde est servi. Mais si vous voulez passer une petite graine en même temps. Allez, Ouais, à la boîte les gars. Ouais, la smoke, je te rends la bouteille. Elle est bien fraîche. Hein. Là, ça jette les têtes là. Ah, pas de ça sur le bar, ça va tout polluer. Déjà que l'autre coup, j'ai mis trois plombs à nettoyer quand le bar était rempli de vomi. Alors... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. C'était une bonne soirée, celle-là. Ah, oui, tu m'étonnes. Attends, il y en a une qui se prépare derrière les fourneaux, elle va être belle aussi. Ah bon. Ah, nickel, ça. Faut que je termine l'annonce correcte, puis ça devrait le faire. Bon, sinon les Lopez qui viennent d'arriver, ça va, vous installez bien, tranquille. Ouais. Le climat est bon sur l'île. Je m'en bourre une autre. On se fait un peu déborder là dans notre village par les Z, mais bon, ça nous... Ah, ça nous forge. Ouais, c'est ça. Ça nous forge, au max.
Que vous êtes pas tombé avec le meilleur, quoi. Le Joe, c'est la le masse. Joe, quoi. La masse. Je vais appeler le livreur, moi. Je vais lui dire de pas venir. Mais je m'en fous, j'ai toujours une solution de rechange. Toujours. C'est bien ça. Moi, si le livreur il vient pas à moi, je vais à lui, je lui défonce sa tronche et je prends tout, point final. Ouais. D'accord. Ah, tu me connais pas, je suis un fou. T'as bien changé, dis-moi. Ah, mais qu'est-ce que tu crois? C'est le nouveau personnage, t'as pas vu, j'ai maigri, regarde. Ah ouais, elle va bien. Ouais. Ah ouais, elle est belle, en plus la tenue, elle te va bien. J'avais pas fait gaffe qu'elle était... C'est à moitié un shorty, là, que t'as mis, là. Avec tes bottes. Ouais, c'est celui que tu craftes, là. Ah ouais, si, si. Le vrai. Ouais, le vrai, ouais. Ouais, normalement, c'est pas ma tenue de barman. C'est exceptionnel. Ouais, c'est à cause de la tempête, là. C'est pas très rassurant, ta tronche. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pareil, il faut que je passe commande d'une tenue. Parce qu'elles se font rares en ce moment. Ah ouais. Je sais pas, il va pas y avoir un magasin de vêtements bientôt, là. Non? Ah, je crois bien, si, mais j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai entendu parler. Ouais, la même, hein. Ouais, vaguement, moi aussi. Il n'y avait pas le cousin là qui voulait se lancer dans la sapologie, j'avais entendu parler là. Le Tsingtao. Ouais, peut-être bien. Peut-être bien. Ouais. Mais. A voir. Salut. Allez, les gars, j'ai une tonne de viande dans vos cabines. Salut, ça vous intéresse? Alors, déjà testé les quads? Non. Non, pas encore. Pas encore. Mais là, on est en petite scène RP. Ah. Non. Peut-être Joe? De quoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. J'ai plein de viande là dans mon camion, qu'est-ce qu'on veut? Un peu de barbac. Ouais, je vais la déposer devant le bar, ça te dérange pas? Non, t'as quoi comme viande? Du sanglier, du cerf, la biche, enfin du chevreuil. Ah, c'est bon ça. Ça se cuit bien ça avec le niglou, ça se marie bien ça. On va en mettre un peu dans ton coffre, hein. Je suis sûr le cousin. Voilà la boucherie là, c'est pareil là, j'ai reçu une grosse commande la dernière fois donc. Donc voilà, j'ai. Je t'ai saturé? Bah, un petit peu là, ouais. Là, ce qu'il me faudrait en fait, c'est du poulet. Chicken? Ah bah, tout à l'heure, le son qu'il en a tué un, putain, t'aurais dû nous dire. Nous, on l'a bouffé, nous. C'était une espèce de mouette. Ouais, nous, c'est de la mouette ou du corbeau hein, qu'on a fait. Hein. C'est peut-être pas du poulet, mais tu fais passer ouais. Ça pour du poulet, hein. Faut sûr. Ah, tu mélanges les deux, ça... c'est bon, ça fait noir, blanc, t'es tu marines ça. Ouais, avec un peu d'épices et tout, là. Marinade. Ouais. Comme le début. Tu mélanges ça avec du hérisson, terminé. Moi, je veux du hérisson. Ok. Bah, ils sont où, les Z? Bon, sinon, vous avez vu les derniers... Les derniers arrivages de véhicules, les quads là, ça nous a l'air sympa. Oh, on a vu ça là, le cacaillier là, ça là, on a vu, mais on n'a pas tâté encore. Pas encore ah, testé, ouais. Tout est devant si ça vous intéresse. Ok. Oh, ok, merci. On va en mettre dans la voiture. Vous avez testé ah ouais, un vrai morceau. De puissant. Ah ouais, la bête entière. C'est quoi ça? Ah, merci, mec. Lu, ça, c'est bon, ça. Ils ont fait un nouveau truc pour la cuisson. On va mettre ça dans la bagnole les après. Ou pas les cuirassés. D'accord, là, j'ai pas fait attention, quoi. Ah, je me suis réveillé, j'ai été directement à la quincaillerie, quoi. Ah, ok. Mais en plus, j'ai pas regardé ça. Moi, d'habitude, viande cuite ou pas cuite, ça se mange. Là, c'est clair, cannibale au bout, quoi. Carrément. Ah, bah c'est cool, hein. C'est du tout. Elle est un peu plus la musique, quand même. Elle est mieux celle d'habitude. Bon, je vous resserre un truc, les gars. Pas de whisky, y en a plus. Pas de bière, y en a plus. Rien. Bah, l'eau alors.
Ah, de l'eau, il n'y en a plus non plus. Ah si, il reste... Il reste 4 gorgées sur la bouteille, là. Ah ouais. Ah bah, on va voir, sinon elle va être... Oh, on va la finir. Elle va être fine. Qu'est-ce qu'il me reste? Mais fais attention quand même, smoke avec l'alcool, si t'en bois trop, après, je crois, tu peux être vite ivre. Qui finit les crackers? Ouais, je crois quand même. Ah, vas-y, serre-toi, hein, serre-toi. Arrête, hein. Parce qu'après, tu vas être vraiment... Je crois que tu vas gerber, toi. On va me les dire deux fois. Ouais, tu vas... Vas-y, mange. Par contre, moi, je peux m'en remettre une gorgée. C'est fou, toi. Ah, faut vous goûter ça, les gars, et me dire si elle est bonne. Ouh là là. C'est en préparation de la prochaine soirée. Ouh, il nous a sorti de la tequila, là. Je suis pas sûr qu'elle soit bien faite. Allez. Voilà, moi je vais me détendre là, j'ai déjà 4% d'alcool. Bah, c'est rien tant que t'es pas à 90. Ouais. Ouais, mais c'est lui qui a le volant. Okay, c'est moi qui conduis. Il va nous mettre dans le ravin, Gérard. Oh, bah, même sans avoir bu, hein, de toute façon. Bon, je c'est me permets de goûter ta tequila, hein. Je me permets de la goûter. Allez, je t'ai mis quelques munitions là en cadeau. Merci. Ouais, lui, il faut lui donner des munitions pour payer au bar. Ouais, t'inquiète. Ah ouais, un petit autre truc. Si l'un d'entre vous sait comment alimenter des torches pour qu'elles brûlent assez longtemps, preneur. Parce que. Là, c'est ma gorge qui brûle avec ta tequila là. C'est ma gorge qui brûle avec ta tequila. Elle est bonne. Ah ouais. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah ouais. Ah bah, c'est bien. Elle promet. Bah même avec les morceaux de bois, Joe, j'ai l'impression qu'elle dure pas longtemps. Tu mets des planches? Ah, j'ai pas essayé la planche. Là, j'ai mis un rags, il a pas duré 2 minutes. Ah, mais c'est du... Ouais, ça tient pas. Ça met du bois, tu vas voir. Ouais, sauf qu'un coup, j'ai mis un rags et il a tenu 15 minutes. Mais tu peux en mettre en illimité, il faut enchaîner. Hein. Ça va durer plus longtemps. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse ça parce que... Je suis désolé, mon cousin, mais j'ai pas vu de toilette. Ah merde, les toilettes, je t'ai pas présenté, les toilettes elles sont dehors, ma gueule. Putain. Allez, Lopez. Lopez encore, qui se passe pour un. Putain, ça va. T'as quand même atteint la fenêtre. Hein. Plus, les gars. Il a quand même atteint la fenêtre, le con. Putain. Allez, vache. Bon, bah, du coup, c'est bon, ça. Si vous n'avez pas l'habitude à la tequila, faut pas que vous sortez l'absinthe, vous allez tomber raid direct. Hein. Ah, on vaut mieux pas là. On va y aller tout doucement. Ouais, doucement l'absinthe. Elle est dangereuse sur lui, j'en ai entendu parler. Voilà, pas au-delà de 4 gorgées. Voire 5, ouais. Certain. Donc, tu vois l'alcool. Métabolisme. Alors, tu vas dans le métabolisme, tout en haut à droite, tu sais, t'as la flamme là, et ben juste à côté, tu dois avoir. J'allais m'occuper un peu, j'allais mettre le village. Tout petit truc rouge, et ben là, c'est l'alcool. Ok. Ça marche, et ben. Bon courage. Petit truc rouge. Ah ouais. À plus. Ouais, bon courage. Oui. Yes, ciao, ciao. Ouais. Attention au coup de griffe. Bah, nous aussi, on va pas tarder à y aller, hein, on a de la route. Hein. Ah, bah, ouais, mon pélo. Ouais, c'est vrai. On a pas mal de route. Ouais, c'est calme. Il faut qu'on s'arrête à l'église sur une petite prière au passage, là. Et puis, on est bon. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, faut pas oublier la bougie, les gars. Ouais, ouais, la base. Il est sympa le soleil, là, sur ton bar. Bien foutu, là, sur le rando. En dessin. Le soleil. Ah ouais, t'as pas fait gaffe, c'est les mecs, je sais pas, ils ont gravé ça pendant qu'ils picolaient, mais. C'est bien fait, quoi. Ils ont fait ça bien, les mecs. Putain, t'as rien vu. Ouais. Eh, le barman, il voit aussi un petit peu de temps en temps. Hein. Ouais. Tu devais avoir une bonne douce. Dans 2 semaines, il va revenir, les murs seront peints, il aura pas remarqué. Merde. Ah ouais. Impeccable. En parlant de remarquer, vous avez vu que maintenant on peut claim les cellules de prison, alors attention. Hein. Ah ouais. Si pas gentil, prison. Hein. Ah ouais, galère. Oh, t'inquiète. On se tient bien. Pour le moment. Toujours. Toujours. J'ai Lopez. C'est la devise de Lopez. Tiens, regarde, le collègue, il est en train de se free fight avec les zombies. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, Barman. Bah, de rien, bon retour à vous, les gars. C'était vraiment cool. Yes, ça marche. Ça marche. Merci à toi, Ed. À bientôt. Allez, à la prochaine, les gars. Quand vous voulez. Yes, ciao, ciao. Yes.
Et on prend un petit peu de barbac là, le cousin quoi. Il y a un peu de barbac qu'il a laissé là, le collègue. Ah ouais. Ah, il nous a mis tous les... Il y a moyen de... Ah ouais, il y a les jambes et tout, hein, il y a les peaux. Et il y a même la tête. Hein. Et ramène donc la voiture là, mon pélo. Allez, je te ramène ça, cousin. Ah ouais, ramène ça, mon pélo. Ça, c'est de la viande pas chère, ça, mon copain. En plus, faut voir, parce qu'en plus, peut-être que maintenant, elle va devenir un peu savarier. On va voir. Vas-y, le gars, essaye de mettre ça dans, dans le coffre, là. Je sais pas s'il reste de la place avec les toolbox et tout. Oh merde. Ça, on va voir. Échappe, ma gueule, échappe. Hop, hop. Oh, c'est dans leur voiture, mais... Yo, yo, yo. Et là. Ça va bien. Quoi, Vlad? Ouais, tu me dois des réparations, je tenais ma droite, hein. Ouais, mais moi, je suis anglais, mec. Ouais, ouais. Non, okay. T'es pas anglais, t'es Lopez. Et alors? Lopez, c'est pas anglais. Si, ça vient de d'Angleterre. Ouais, ouais. United Kingdom. Yes, Mike. Bon, moi, vas-y, j'ai mis ça a été l'aller-retour. J'ai forcé le tronc, il rentre pas dans le coffre, laisse tomber, on le laisse là sur la barrière. Bah non, tu le mets sur le toit. Hein. Frère, ça va être une galère. Tu le déplaces à pied. Ah, mon avis de loin, mon pélo. Ed, hein. Il est là. Ouais, il y a du ouais, il est encore là. Ouais. Ouais. Elle a plus tard par ma. J'ai coursé là, je viens de défroid quoi. Ouais, c'est qui? Putain, attends. Fais attention, il y a un clochard là. Là, là, tu le vois pas? Et c'est moi, je te dis au con. Non, pas toi, je vais te frapper là. Le con. Là, à terre. Tu le vois pas? Attends, je prends une photo. Voilà, je t'enverrai la photo. J'ai pris la photo. Il est mort, il est mort, le clochard, il a trop bu. Il a trop bu le clochard, il est mort, il a fait coma éthylique. Ouais. Allez, let's go. Ouais, ouais, t'inquiète. On est reparti. Ah, il y a un port qui soit derrière. Ouais, le port. Non, mais ça sert à rien. Fais attention à ma voiture, cousin. La voiture, elle est remplie. T'as de la bière en bouteille? Ah ouais, il va faire que de caler. Non. Allez, ciao les gars. À plus tard. Il y a des champis en masse là. Ouais, ici, ouais. Ouais, fais pas genre. Vas-y, on s'en branle du champi. Il a fait le genre qu'il s'arrêtait pour ça, juste il a raté son virage. T'es fou, toi. Par où? À droite, hein. The